15 février 2007, 15 février 2011, le service des presses du gouvernorat des provinces vous présente un documentaire retraçant le parcours d'Alphonse Nguékiassangi en 4 ans à la tête du Cassier oriental. Soucieux de doter la République démocratique du Congo des institutions politiques démocratiquement établies, Joseph Kabila a décidé d'amener le peuple congolais aux élections. Aussi longtemps que l'on s'en souvienne, l'an 2006 marque sans doute l'ère des grands enjeux dans le processus de la démocratisation de la République démocratique du Congo, ce vaste pays à dimension continentale. L'année où pour la première fois le peuple s'est choisi ses propres dirigeants. Compté parmi les 11 provinces, placées du reste au centre de la République démocratique du Congo, le Kassai oriental a bel et bien savouré le fruit du libre et démocratique exercice de se choisir ses dirigeants. Cette province enclavée a connu une histoire aussi troublée que violente. Une économie en régression, des infrastructures vétustes datant du temps colonial, avec un chef-lieu qui ne reflète pas l'image d'une ville. Une province à un faible taux de scolarisation, sans infrastructures scolaires viables et caractérisée par l'intolérance politique et l'insécurité. Une province aux pénibles conditions sanitaires. Face à cette situation catastrophique, le Kassai oriental avait besoin d'un homme, d'un visionnaire. Lelo ki ya mulala ngoma. Tundo ambila bwani tudimu tisumbu cha bajobesha kimomwani. Lelo tudini jobesha wetu mweki pamutu di muambe. Jobesha wetu mfumu wa ditunga mukalenga Joseph Kabila uri munkaji mwetu sangai tumona sangai. Alphonse Nguékiassangi, Ngokas pour les intimes, alors président de la FECODI, Fédération congolaise de l'or et du diamant, président provincial du CPD, Conseil provincial des diamantaires, et ambassadeur universel de la paix, un des véritables et dignes fils du terroir, épris de l'amour de sa province, a levé son doigt pour relever ses défis. Nguékiassangi s'est porté candidat à la députation provinciale pour faire entendre la voix du peuple kassaïen. Il réussit à obtenir la qualité de député provincial par élection libre, démocratique et transparente d'octobre 2006, organisée par la Commission électorale indépendante, CI en cycle. Conscient des sérieux défis auxquels le Kassai oriental fait face, soucieux de redorer les blasons ternis de ses cœurs du Congo démocratique, étant donné que le Kassai de l'Est avait un environnement sociopolitique exceptionnel, et surtout que cette situation nécessitait un exécutif agissant et dynamique en complicité avec un législatif éclairé, Alphonse Nguékiassangi a dit « Je peux » et surtout, je dois. Ah.
Je peux diriger et changer la situation de ma province et surtout je dois servir les intérêts majeurs des populations. L'heure est venue, les prévisions constitutionnelles doivent être observées via la loi électorale. L'on doit procéder à l'élection du gouverneur des provinces. L'homme a réuni tous les critères et a postulé. Animé par le souci de développer le Kasaï oriental, sa chère province, Alphonse Ngoué Kassangi se présente comme candidat parmi les 11 retenus par la commission électorale, un poste très envié. Tout naturellement, chacun avait son plan, mais c'est celui de Ngoué Kassangi qui a convaincu les députés provinciaux réunis au siège de la CI au Kasaï oriental. Le 15 février 2007, un jeudi vers 11h, le Kasaï oriental s'est doté d'un nouveau gouverneur des provinces en la personne de Ngoué Kassangi Alphonse, PO pour les intimes. Il n'est pas nommé comme ce fut le cas pour beaucoup de ses prédécesseurs. Lui, c'est un gouverneur élu. Il a remporté l'élection avec une majorité écrasante, 51 voix sur les 66 députés provinciaux du Kasaï oriental. Ce sont les impressions de joie, de réjouissance profonde, parce que pour une fois, le peuple kassaïen a son gouverneur élu démocratiquement. Et je remercie les députés provinciaux qui ont fait leur choix, qui ont porté leur choix sur mon humble personne. Et à cela dans l'intérêt général du peuple kassaïen tout entier. En Mbujumaï, la population a accueilli cette victoire avec joie pour certains et avec doute pour les autres. Certains ne voyaient rien d'extraordinaire à Alphonse Ngoué Kassangi. Ils se demandaient même si quelque chose de bon pouvait sortir d'un diamantaire. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon, disaient les Juifs d'autrefois. Il fallait du temps pour le savoir et le discerner. L'une de ses particularités, c'est que Ngoué Kassangi a passé toute sa vie au Kasaï oriental et connaît mieux les problèmes de sa province. Élu par les députés provinciaux, le gouverneur doit être investi par le président de la République par voie d'ordonnance. Ngoué Kassangi, très populaire, s'en va dans la capitale Kinshasa, siège des institutions nationales en vue de son investiture. Et l'ordonnance présidentielle l'investissant comme gouverneur du Kasaï oriental est promulguée et c'est pour un mandat de 5 ans. Le nouveau gouverneur du Kasaï oriental regagne la ville d'Mbujumaï au lendemain de cette grande cérémonie. Nous sommes le 20 mars. Informé du retour de son gouverneur, la population a fait le déplacement de l'aéroport de Bipemba et c'était une véritable marée humaine. Celle-ci l'a obligé de faire la marche jusqu'à la mairie de Mbujumaï. Une véritable popularité charismatique qu'incarne l'homme. À l'arrivée, l'autorité provinciale devait s'adresser à la population. Il l'a fait. Ngoué Kassangi connaît mieux sa province, car n'étant pas de la diaspora, il en fait un état des lieux. Il a lancé à ce rassemblement l'agriculture priorité des priorités comme mot d'ordre en vue d'auto-prise en charge alimentaire assurée. Agriculture priorité des priorités. Le 24 mars 2007, Alphonse Ngoué Kassangi, nouveau gouverneur élu du Kasaï oriental, et le 33e gouverneur depuis Albert Kalonji Moulopoué dit Ditunga, a tenu la première réunion du Conseil provincial de sécurité.
Tout pouvoir vient de Dieu, dit-on. Ngoï Kassange, sachant bien cela, il se remet à l'Éternel Dieu, source de toutes choses et source de toute sagesse. Et les cultes d'action des grâces pour son élévation ont été organisés dans différentes églises et confessions religieuses. Mais le premier a eu lieu le 24 mars 2007, un samedi au Zoé Tabernacle interdénominationnel, une assemblée chrétienne où il est adepte. À ces cultes, le nouveau gouverneur du Kasaï oriental n'était pas seul. Outre les fidèles de ses temples, plusieurs autres personnalités importantes y ont pris part. L'amour de sa province est immense. Dans l'espace des 15 jours de son élection comme gouverneur du Kasaï oriental, le gouverneur Ngoï Kassange initie une bipartite entre le Kasaï oriental et la province du Katanga en vue de leur développement. Cela s'est tenu entre le 30 mars et le 4 avril 2007 au Katanga. Dans un premier temps, Ngoï Kassange Alphonse et son homologue du Katanga, Moïse Katumbi, ont résolu le problème d'acheminement de marchandises bloquées à Kamina vers Mweneditu et Mbujumai. Dans sa première adresse à la population le 20 mars 2007 sur l'esplanade de la mairie de Mbujumai, le gouverneur Ngoï avait présenté l'état des lieux des infrastructures routières. Les routes qui mènent au centre-ville ont donné du fil à retordre aux véhicules et motos, même plus grave aux piétons. Mais quoi était-il plus étrange que de voir les camions se renverser en pleine ville de faute de bonnes infrastructures routières. C'est ainsi qu'il avait annoncé la réhabilitation premièrement de la voirie urbaine, en commençant par le boulevard Laurent-Désiré Kabila, qui doit être un bijou infrastructural routier au cœur de Mbujumai, avait-il dit. En vue de lier l'acte à la parole, le 3 mai 2007, le chef de l'exécutif provincial procède au lancement officiel des travaux de la réhabilitation du boulevard Laurent-Désiré Kabila, qui seront exécutés par l'Office de voirie et drainage et l'Office des routes à un coût de $770 000. Nkundayabani Ibobeleni Mata. Cette sagesse Luba, qui est l'équivalent de l'union fait la force, a inspiré Ngoï Kassange, qui a invité tous les Kassaïens. Tous ceux qui ont choisi le Kasaï oriental comme seconde province ou seconde patrie a contribué à cette œuvre de la reconstruction et du développement. La tâche de la reconstruction et du développement de la province du Kasaï oriental est immense et nécessite la synergie des compétences et tout naturellement, Ngoï Kassange doit se choisir des collaborateurs. Comme on dit que QV est allé loin, ménage sa monture. Le 6 avril 2007, le gouverneur des provinces ouvre des consultations en vue de former l'équipe gouvernementale dont les membres ne doivent pas dépasser le nombre de 10. Avec son équipe, Ngoï Kassange s'est choisi comme pilier, selon son programme, la sécurité des personnes et de leurs biens en premier lieu, ensuite l'agriculture, la santé, les infrastructures, l'éducation et les sociales. Ce gouvernement est formé tenant compte de l'équilibre géopolitique, une tâche difficile. Même pour son cabinet, Ngoï Kassange a fait pareille chose. Devant l'histoire, le peuple kassaïen du Kassaï oriental vient d'avoir son gouvernement provincial. Le 12 juin 2007, Alphonse Ngoï Kassange fait sa première apparition à l'Assemblée provinciale et il a présenté et défendu magistralement devant les députés provinciaux son discours programme. Et le 14 juin 2007, la représentation provinciale a reçu et a adopté ses plans d'action à intérêt général provincial au cours de la séance plénière dirigée par François-Xavier Kabalayilungambidi, président de l'Assemblée provinciale à l'époque. Ses discours-programme est axé essentiellement sur les points suivants.
la sécurité, la santé, les infrastructures, l'éducation, l'agriculture et les sociales. Le bilan du gouverneur Moï Kassangi à la tête du Kassai oriental peut être présenté sur différents plans. Sur le plan politique et sécuritaire, Moï Kassangi a hérité d'une province où régnait l'intolérance politique. L'insécurité avait atteint des proportions inquiétantes avec le phénomène suicidaire au polygone Miba surtout. On peut également évoquer des multiples conflits coutumiers et fonciers dans diverses contrées de la province. C'est à l'avènement de Moï Kassangi à la tête du Kassai oriental que cette province est pacifiée. Le nouveau chef de l'exécutif provincial a su éradiquer l'intolérance politique. Ainsi, tout parti politique jouit de la liberté des réunions, d'opinion et des pensées. Le phénomène suicidaire a été maîtrisé. La criminalité a sensiblement diminué grâce aux patrouilles mixtes FRDC, PNC, MONUSCO initiées par le numéro 1 du Kassai oriental qui, pour ce faire, a doté l'armée et la police de matériel roulant, DIP 4x4, motos et autres interventions ponctuelles en faveur de ses services de sécurité. Ceux-ci ont commencé à toucher mensuellement les frais de fonctionnement, une innovation du gouverneur Moï Kassangi. Par ailleurs, bon nombre des conflits coutumiers et fonciers ont été gérés avec tact par l'autorité provinciale qui a institué en date du 14 décembre 2007 une commission provinciale d'arbitrage des conflits coutumiers. Celle-ci usera du dialogue et des concertations pour résorber ces conflits. Les plus grands et les plus historiques conflits coutumiers que le gouvernement provincial ait résolu est celui des Bénin Chimba, Bénin Mwembia et Bénin Kapuya, trois communautés du territoire de Katanda. Pour sceller la paix, Moï Alphonse a dîné dans la cité de Katanda avec 300 enfants issus de ces trois communautés le 25 décembre 2008. Le gouverneur a été sur tous les fronts. Il s'est investi à résoudre les conflits constatés à Lodia, Lubefu, Katakukombe, Ngandanjika, Kabeyakamwanga, Chiling. Bref, 38 conflits ont été résolus. Quelle amour
Sur le plan diplomatique, le gouverneur des provinces, Alphonse Mouéka Sangi, s'est révélé un homme de bons rapports. Sur le plan interne, outre le chef de l'État, les membres du gouvernement central ont aussi défilé au Kassai oriental. C'est le cas du premier ministre Adolphe Mouzito, qui a visité la Miba et la Sengamine actuelle Skim avant de promettre un financement du plan d'urgence de la relance de la Miba et aussi un autre financement pour la réforme de Sengamine en Skim. On notera également le passage du ministre d'État François Zanga Mobutu, de Célestin Mbuyu Kabango, ministre de l'Intérieur. Le Kassai oriental aura été l'une des rares provinces de la République démocratique du Congo qui n'a pas connu des tensions politiques entre l'exécutif provincial et le législatif provincial. Il y a eu une franche collaboration entre ces deux institutions politiques pour le bien-être de la population kassaïenne. Cette même collaboration, Ngoï Alphonse l'a su maintenir entre les confessions religieuses, les institutions universitaires, les établissements scolaires, la justice, la société civile, le corps médical, les opérateurs économiques, bref, toutes les couches socioculturelles de la province d'une part et d'autre part, les organismes et les agences des systèmes des Nations Unies basées au Kassai oriental, nous citons la MONUSCO, l'UNICEF, FAO, OMS, COPI, CTB, GTZ, USAID, UNFPA, Save the Children et j'en passe. Au mois de novembre 2009, des pluies torrentielles ont frappé le Kassai oriental. Il pleuvait des journées entières, voire des nuits. À l'époque, les spécialistes avaient soutenu que cela faisait 30 ans que le Kassai oriental n'avait plus été frappé par des précipitations aussi violentes que celles de novembre 2009. Les eaux des pluies avaient envahi des parcelles résidentielles, entraînant plus de 1000 personnes sans abri. Les routes sont dérangées par les têtes d'érosion et la nationale numéro 1 au niveau de Kabwe, détruite par un long creux ayant interrompu le trafic entre Mweneditu et Mbujimayi. Aussitôt rentré de Lubumbashi, où il est allé suivre la finale de la Ligue des champions de la CAF entre le tout-puissant Mazembe et les Nigérians d'Artland, Alphonse Mouéka Sangi a dû interrompre sa mission qui se poursuivait vers Kinshasa. C'est le vice-gouverneur qui s'y est rendu. Le numéro 1 Est kassaïen s'est dit profondément touché par ce sinistre qui a frappé sa province, plongeant la population dans la souffrance. Le patron de l'exécutif provincial, voulant privilégier dans un premier temps l'intérêt général, a débloqué des moyens disponibles pour arrêter la progression du ravin qui menaçait de couper en deux la route Mbujimayi-Mweneditu au niveau des Kabwe. Les populations dont les maisons et parcelles résidentielles étaient entièrement envahies par les eaux de pluie ont reçu l'assistance en première position du gouvernement provincial. C'est dans cette optique qu'Alphonse Mouéka Sangi initie au club Miba une journée de souscription spéciale en faveur des sinistrés des pluies de novembre 2009. Des hommes politiques commençant par lui-même, le gouverneur des provinces, des hommes d'affaires, les autorités administratives, les fonctionnaires de l'État, les confessions religieuses, les médias locaux et autres ont promis de faire des apports en nature et en espèces pour répondre à l'appel de l'autorité provinciale qui a voulu que la population victime ne soit pas délaissée en cette période de triste mémoire. Ce jour, le Kassai oriental avait été déclaré province sinistrée.
L'alerte générale d'Alphonse Ngoy Kassangi a même atteint le plus haut sommet de l'État. Le président de la République seul savait qu'à ce moment, il fallait venir au chevet de sa population du Kassai Oriental. En prélude de cette visite historique, Joseph Kabila Kabange a délégué le président de l'Assemblée nationale. Évariste Boshab, qui s'est fait accompagner de l'honorable Sophie Kakoudi, rapporteur adjoint, plusieurs députés et sénateurs élus du Kassai Oriental avaient visité la plupart des sites touchés par la pluie. Le polygone minier n'était pas resté intouché. Sa route principale était coupée en deux, rendant même impossible l'évacuation des graviers et autres matériels de réhabilitation sur d'autres routes. Le gouvernement provincial a organisé même un culte œcuménique en vue d'implorer à Dieu la grâce pour le Kassai Oriental. Bon nombre de Congolais ne pouvaient s'attendre à l'arrivée du chef de l'État en Mbujimayi. En cette période, les ennemis du Kassai Oriental ont fait courir des bruits à Kinshasa et dans le sillage présidentiel, selon lesquels, si Kabila foule ses pieds en Mbujimayi, il n'y aurait même pas trois mouches pour l'accueillir à l'aéroport de Bipemba. Il ne savait peut-être pas que le peuple est-kassaïen, grâce aux efforts de son gouverneur Ngoy Kassangi, avait changé de mentalité depuis longtemps et attendait depuis la victoire écrasante aux élections de Kabila Kabange en 2006, sa visite au Kassai Oriental. Mais l'heure avait sonné ce 24 novembre 2009. Au coup des 14 heures, sous un soleil accablant, l'avion présidentiel se pose sur le tarmac de l'aéroport de Bipemba. Comme on pouvait s'y attendre, Joseph Kabila sort et salue un public très nombreux, tout joyeux et qui avait envahi ce jour la piste d'atterrissage de l'aéroport de Bipemba. Jamais dans l'histoire de la RDC, le chef de l'État n'avait été accueilli par une telle foule au Kassai Oriental. Le président congolais Joseph Kabila seul avait eu ses privilèges, lui étant le premier élu démocratiquement par le peuple. Ce mardi 24 novembre est rentré dans l'histoire du pays et du Kassai Oriental. Le numéro 1 congolais se verra obligé par la marée humaine de faire les pieds. La foule criait à l'unisson « Kabila, tu es le nôtre, nous voulons les 20 millions de dollars pour la relance effective de la MIBA ». Le président de la République avançait, regardant à ses côtés le gouverneur Ngoy Kassangi, artisan de cet accueil chaleureux et historique. Alphonse Ngoy Kassangi avait exprimé pour sa part toute sa gratitude à la population du Kassai Oriental qui a chaleureusement accueilli le chef de l'État. Je tiens sincèrement à remercier toute notre population qui a accueilli son chef, le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, avec joie, une joie immense. Ils étaient tous aujourd'hui, depuis le matin à l'aéroport, et le peuple kassaïen a démontré qu'il est attaché à son président de la République. Après avoir visité Mwenedjitou, où la mobilisation était encore au rendez-vous, le chef de l'État a offert un dîner à la population est-kassaïenne. C'était à sa résidence officielle où un échantillon de 1500 personnes était convié au banquet. À cette occasion, le gouverneur Ngoy Kassangi avait dans son discours présenté au raïs les difficultés qu'éprouve le Kassai Oriental, notamment l'absence du budget d'investissement, la rareté de la rétrocession, l'état de délabrement avancé des routes nationales, les difficultés à la centrale d'Itchala. Toutefois, le numéro 1 du Kassai Oriental a donné toutes les garanties à Joseph Kabila pour le soutien qu'il bénéficie de sa population est-kassaïenne. Son discours était le plus attendu de la soirée. Le chef de l'État a solennellement remercié le peuple kassaïen pour l'accueil très chaleureux lui réservé. Le président de la République annonçait que 2010 et 2011 seraient des années de grandes réalisations en Mbujimayi et au Kassai Oriental. Du Kassai en général, et celle de Mbujimayi,
et de bénédicte tout en particulier pour l'accueil chaleureux. Soyez donc rassurés que je serai bien heureux pour vous, comme partout d'ailleurs, dans le cadre de mes tournées d'itinérance, pour visiter en ce moment-là et de dire que Kabila son nouveau étienne. Ceci se confirme le 11 janvier 2010, soit moins de 60 jours après son passage en Bujmaï. Les travaux de réhabilitation du domaine agro-pastoral présidentiel de l'Ancelé d'Aipen sont lancés par le gouverneur Ngoï Kassongi et le ministre de l'Agriculture Norbert Basengezi. Les activités de cette ferme arrêtée depuis les années 80 ont été lancées à la mi-mai 2010. Mettant à la disposition de la population de Mbujmaï plus de 15 000 poulets HR, un cadeau signé Joseph Kabila. L'AMIBA réservera dans quelques mois les fonds nécessaires pour la reprise effective de ses activités. Coup de chapeau à Alphonse Ngoï Kassongi.